Le partenariat entre le Maroc et le Conseil de coopération du Golfe témoigne des liens étroits de fraternité, de coordination et de solidarité entre Sa Majesté le Roi Mohamed VI et les dirigeants des États du Golfe. La réunion à Riyad était une occasion pour les ministres des Affaires étrangères des pays membres du Conseil de coopération du Golfe de réaffirmer les positions et les décisions constantes du Conseil suprême du CCG, soutenant la marocanité du Sahara. Je souhaite souligner encore une fois l'importance des relations stratégiques entre le Conseil de coopération et le Royaume du Maroc, ainsi que l'exécution du plan de travail commun portant sur le renforcement de nos relations sur tous les plans. Dans ce sens, nous renouvelons les positions et les décisions fermes du Conseil au sujet de son soutien à la marocanité du Sahara, la préservation de la paix et la sécurité du Royaume du Maroc, ainsi que l'intégrité de son territoire. Cette réunion a également été l'occasion de coordonner les positions sur les questions régionales, notamment les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu durable à Gaza et protéger le peuple palestinien, conformément au droit international. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des réunions régionales. Elle traite notamment la violence israélienne contre Gaza. C'est une occasion pour réitérer les positions fermes de Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds, qui appelle à un cessez-le-feu, à l'entrée des aides humanitaires à Gaza, ainsi qu'au lancement d'une opération politique qui permettra la création d'un État palestinien. En marge de la réunion tenue entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidents à l'étranger, Nasser Bourita, et leurs Altesses et Excellences les ministres des Affaires étrangères des pays membres du CCG, le Royaume du Maroc et le secrétariat général du Conseil de coopération du Golfe ont signé un mémorandum d'entente de coopération dans le domaine culturel. Le document signé par Nasser Bourita et le secrétaire général du CCG, Jassim Mohamed Al-Boudaoui, procède de la volonté commune de raffermir les liens de fraternité et de coopération fructueuse entre les deux parties et de développer en particulier la coopération dans les domaines culturels et civilisationnels.